Salut les amis, alors aujourd'hui je vous sors la vidéo qui aurait dû sortir la semaine dernière. Mais en gros je me suis dit ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un petit sketchbook tour et j'en ai deux qui sont finis donc faisons un sketchbook tour 3. D'ailleurs merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé le sketchbook tour 2 parce qu'il y a eu pas mal de vues et il y a eu encore plus de vues, donc merci encore plus pour ceux qui ont regardé la vidéo mes études de mode. On est à 800 et quelques vues, donc perso je suis super contente, ça prouve que ça a sûrement dû aider des gens. Donc voilà, je suis assez contente, merci beaucoup. D'ailleurs aussi c'est grave cool, on est plus de 240 maintenant sur la chaîne, donc merci, c'est top. Et voilà. Ah oui, petit point important, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que il va se passer un truc cool dont je parle depuis un petit bout de temps, que je pense certains attendent. Et voilà, je vous en dis pas plus, mais restez bien jusqu'à la fin. Non, c'est pas un concours, hein, mais vous verrez, c'est un truc cool. Et voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et bah voilà, à tout à l'heure. C'est parti pour ce petit sketchbook tour 3. Donc avant de commencer, je voulais vous dire que la plupart des illustrations que vous allez voir ou les croquis, vous pourrez trouver le résultat final sur Instagram. Donc n'hésitez pas à les regarder en barre de description, je vous mettrai le lien. Et donc on commence avec ce petit carnet. J'achète souvent ceux-là chez Rouge et Play, donc ils sont recyclés. Et vous voyez mes petits stickers que vous pourrez retrouver sur la boutique Etsy, sauf le panda qui est un cadeau de Naël. Mais voilà, donc dans ce sketchbook là, c'est 2018, donc où notamment je voulais tester un peu l'aquarelle. Donc vous avez là par exemple le Inkshape Challenge 1, il me semble. Je vous mettrai le lien en haut à droite. Et vous avez des croquis qui ont été faits pour les posts Instagram où je teste un peu les figures, les couleurs. Vous avez du mermeil. Bon, vous avez des choses, je ne sais pas pourquoi c'est là. Et là, l'illustration à gauche, vous pouvez la retrouver sur Instagram aussi, c'était pour un redraw challenge. Vous avez des petits croquis. Ça, c'est pareil, vous pouvez retrouver le dessin sur mon site internet, puisque j'avais fait un petit texte avec, sur l'amour en général. Ici j'avais essayé de faire la plante qui est en face de ma fenêtre, mais parce que je me disais que c'est vrai que je dessine pas assez de paysages, mais bon, vous en verrez d'autres dans la suite de la vidéo. Et je m'entraîne aussi beaucoup à dessiner les visages parce que je sais les faire, mais je trouve que j'ai pas encore ma patte, mon style, etc. Donc je m'entraînais un petit peu, voilà. Là c'est des petits projets sur lesquels je bosse en ce moment, et ça à gauche vous voyez c'était la vidéo les cartes d'amour qui sont disponibles sur Etsy aussi. Et là vous avez encore des croquis où pareil je recherche un peu mon style, j'essaie de revenir un peu sur mes bases qui sont donc les femmes à cornes, tout ce qui est galaxie et la mode. Et j'essaye un peu de créer un univers où c'est à la fois fashion, entre guillemets, un peu fantasy, et voilà, j'ai dû trouver mon style, on va dire. Là c'est des croquis pour une commande, là c'est pareil, j'essaye de créer mon univers, d'essayer des poses différentes avec des personnages. Là c'était les croquis que j'ai fait donc j'étais en vacances, donc dans la vidéo petite vacances, je vous emmène avec moi. Donc j'ai collé le petit billet de train parce que c'était en souvenir. Ah oui, j'ai aussi essayé de faire un peu de peinture acrylique parce que je m'entraîne pas assez je trouve. Et au final on peut faire des résultats très cool en variant un peu les médiums, donc j'ai essayé d'un peu travailler ça. Là c'était au cran de papier, donc un instagrammeur que je trouve trop stylé, c'est donc Bing ADP, qui a tout un univers aussi. Et j'ai essayé de faire un peu de paysage là, bon je recopie un peu sur Pinterest, mais bon. Là vous avez aussi Nelly qui est sur mon Instagram, donc c'est pareil, j'essaye de faire un peu de la mode avec des cornes. Oh, là vous avez des petits corgis parce que c'est la vie, voilà, c'est tout, c'est simple, c'est mignon, c'est chaussettes bientôt, un jour peut-être. Pour ceux qui n'ont pas vu, c'est dans la vidéo FAQ, mon futur chien s'appellera Chaussette et ça sera un corgi, c'est prévu. Là j'ai un
petit portrait de XXXTentacion, qui était donc une commande entre guillemets de Naël, qui voulait que je lui fasse ce dessin-là, parce que malheureusement, ce rappeur est décédé il n'y a pas très longtemps, donc c'était un petit peu en hommage. Encore un dessin d'Instagram qui était un Draw This In Your Style de Katina Fon, qui est une personne très talentueuse, allez regarder aussi, et qui m'a permis de m'entraîner à dessiner à partir de styles de personnes différents, enfin avec des personnes qui ont un style différent, donc c'était très intéressant. Et là à la fin vous avez quelque chose qui me passionne, que j'aimerais vraiment développer, c'est les insectes, parce que bah, c'est stylé en fait, c'est très beau, mais je sais pas les dessiner, enfin je m'entraîne pas assez. Et à la fin du carnet, vous avez Héloïse, ma petite cousine, qui s'entraînait avec le pinceau avec réservoir pour l'aquarelle, voilà. Une belle façon de finir un sketchbook. Et ensuite, dans ce deuxième carnet, vous avez plutôt des croquis, parce que c'est pas un papier qui est fait pour l'aquarelle, contrairement à l'autre qui est un peu plus épais et qui est plus approprié. Celui-là, je voulais vraiment faire des croquis, m'entraîner, donc vous allez retrouver principalement du mermeil, des croquis pour les illustrations, en noir et blanc bien sûr, enfin la plupart en tout cas, et vous reconnaîtrez certains croquis qui sont des illustrations que vous pouvez retrouver sur mon Instagram, sur mon site internet, etc. Et j'ai essayé aussi de dessiner un peu dehors les gens, etc. Faire des visages. Et c'est aussi le carnet qui m'a servi à faire la vidéo conseil pour s'améliorer en dessin, que vous pouvez regarder aussi, je vous mettrai dans le petit en haut à droite. Et voilà, on peut retrouver un peu l'évolution de mon style, et je trouve qu'il y a certains croquis qui sont limite presque mieux que les originaux, mais bon, enfin, ça on va... Il y a des projets un peu aussi... qui vont se réaliser dans les années à venir, les mois à venir en tout cas. Et c'est vraiment un carnet où j'ai pu gribouiller plein de choses, parce que je pense que chaque carnet est différent, et celui-là se prêtait bien au feutre noir, au stylo noir. Il est très lisse et donc parfait pour ça. J'aurais pu aussi utiliser mes pro marqueurs. Enfin, vous verrez un peu à la fin certains tests que j'ai fait au crayon et au pro marqueur, mais voilà, là vous retrouvez par exemple la vidéo photo X illustration, vous avez du mermeil. Et en fait c'était ces planches que je scannais, qu'ensuite je photoshopais, que j'imprimais et que je redécalquais sur le papier adapté pour faire de l'aquarelle. Donc c'était la base du processus. Et je m'entraîne à faire des poses, à faire des dessins un peu plus vivants. Donc là c'était Neige, j'avais pris une vidéo et j'avais essayé de décomposer quand il fait du skate. Mais voilà. Mais c'est cool aussi d'avoir voilà, ce genre de carnet où on peut vraiment dessiner tout et n'importe quoi. Au stylo bic, au crayon de mou, papier. Là vous avez une petite un peu érotique qui était pour la carte d'anniversaire de Cyprien. Coucou Cyprien, je sais que tu as regardé la vidéo. Et voilà. Bon, j'ai un peu menti, je vous avais dit que j'avais fini deux carnets, mais là il restait genre 4-5 pages, je vais sûrement le finir bientôt. Mais voilà, pour cette petite vidéo. Et voilà, j'espère que ce petit sketchbook tour 3 vous aura plu. Donc vous êtes restés jusqu'à la fin, et je vais vous dévoiler enfin ce que vous voulez savoir. Non, en gros c'était pour vous dire que je vais lancer, ça y est, le Inkshape Challenge sur... Je sais plus comment dire ça, c'est horrible. Ça y est, je vous ai mis à disposition les tâches du Inkshape Challenge, donc allez regarder en barre d'informations. Je vous ai mis un lien qui va vers mon site, et où il y aura un lien pour aller télécharger sur un Google Drive le fichier de la tâche. Et donc vous pourrez vous-même proposer votre dessin à partir de cette tâche. Donc moi je vais aller faire la mienne après. Je vais faire mon dessin après pour pas être influencée par vos propositions. Et on se retrouve dans 2 semaines pour voir ce que moi j'ai fait, et j'incrusterai vos dessins. Comme ça on verra ce que tout le monde a pu imaginer à partir de la même tâche. Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est le Inkshape Challenge, ce qui sera un peu débile puisque je viens d'en parler depuis une minute, allez voir dans le petit i là. Je vous mettrai les 3 dernières vidéos. Donc voilà, je vous laisse avec la tâche. Je vais la filmer là après. Et voilà.
Donc, on va réaliser cette petite tâche sur mon nouveau papier d'amour à Nemuleux, là. Voilà, donc vous voyez à l'image. Je voulais aussi en profiter pendant que je fais la voix off pour remercier mon chéri Nel. Merci Nel d'avoir fait cette musique de fond que vous pouvez retrouver en barre de description avec toutes ces autres compositions. Et bah là, du coup, dans le carnet, je vais utiliser de la peinture acrylique que je dilue avec de l'eau. Et comme vous voyez, ça se disperse plutôt bien. Donc Et puis, j'aime beaucoup la couleur, donc c'est cool. Et avec un peu de rose. Et donc, comme certains me demandent comment faire une tache, bah, vous mettez de l'eau, vous mettez de la peinture n'importe comment. Et puis, bah voilà, ça fait une tache. Donc, voilà. Et donc, je vous ai dit, il n'y a pas de concours et tout. Mais en fait, si, il y a un concours Instagram pour les 1000 abonnés. Donc, n'hésitez pas à les regarder sur Instagram. Et voilà la tâche finale. Donc je vous mets ça sur mon site. Et puis ben soyez créatifs, hein. Voilà les amis, donc j'espère que ce petit concept de tâche commune où on pourra partager toutes nos créations, ça vous plaît. Et puis je vous dis bonne semaine. Et ah non, attendez. Coupe. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à la partager. Et surtout à vous abonner si vous êtes nouveau et que vous voulez vous abonner. Il y aura ma tête ici en gros. Et activez la petite cloche aussi si vous voulez être prévenu, parce que je vais peut-être sortir des vidéos de temps en temps quand j'ai le temps, à l'improviste, pas que le dimanche à 20h. Donc voilà, abonnez-vous et sur ce, bonne semaine et à dimanche prochain, salut!